Good morgen, allez Iden et Tisra, aujourd'hui les Lonishmet, David Ben Fortunam Zalfritna et Lucien Batraina. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Nazir, Perek He, Mishnah He. Ayou Malchin Baderech, Ve Echad Baken Negdan, Amar Echad Mem, Areni Nazir, Je Zeploni. Ve Echad Amar, Areni Nazir, Je En Zeploni. Areni Nazir, Che Echad Mikem Nazir. שאין אחד מכם נזיר, ששניכם נזירים, שכולכם נזירים. בית שמאי אומרים, כולם נזירים. ובית הלל אומרים, אינו נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו. רבי טרפון אומר, אין אחד מהם נזיר. C'est l'histoire de six personnes qui marchaient dans la rue. היו מהלכים בדרך, il marchait dans la rue, on a pas dit qu'ils étaient six, mais vous allez comprendre pourquoi il fallait qu'ils soient six. Ouais. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive en face et commence à un débat entre Reuven et Shimon, entre les deux. Est-ce que lui, là-bas, là, qu'on voit, c'est Yaakov ou c'est pas Yaakov? Et il lui dit, écoute-moi, si c'est Yaakov, je suis Nazir. Et l'autre lui dit, si c'est pas Yaakov, je suis Nazir. Et après, on a le troisième qui était à côté d'eux. Ouais, il y a le troisième qui était à côté d'eux. Alors lui, il leur a dit, vous savez quoi, s'il y en a un de vous deux qui est nazir, je suis moi aussi nazir. Et l'autre, il dit, s'il y en a un de vous deux qui n'est pas nazir, je suis nazir. Et après, il y en a un autre qui va leur dire, si vous êtes tous les deux nazir, je suis nazir. Et le dernier qui va leur dire, non, ça y est, on a fini. Et il y a un autre qui dit, bah écoutez, si vous êtes tous des nazirim, je suis nazir. Vous avez compris l'histoire? J'ai bien compté qu'il y en avait six, on reprend. Ayo malchin baderech, ils étaient en train de marcher dans la rue. Ve'echad bakenegdan, il y en a un qui vient face à eux. Amar echad mehem, le, on va l'appeler Aleph, il a dit, Areni nazir chez Zeploni, je suis nazir si Zeploni. Ve'echad amar, Areni nazir chez En Zeploni, alors il dit, je suis nazir si c'est pas Ploni. Tellement qu'ils étaient sûrs de leur coup, parce que c'est ou ce n'est pas. Le troisième, il dit, Areni nazir chez Echad mikem nazir. Moi je suis nazir, s'il y en a un de vous deux qui est réellement nazir, ben moi je suis nazir avec lui. Et chez En Echad Mikem Nazir, c'est le quatrième qui dit, s'il y en a un de vous deux qui n'est pas nazir, c'est moi qui le serai, alors moi je suis nazir. Chez Shnechem Nazirim, et donc on a un cinquième qui leur dit, aux deux premiers, il leur dit, bon, si vous êtes tous les deux de Nazirim, moi je suis nazir. Et on a le dernier qui veut leur dire, chez Kulchem Nazirim, tous, si tous les cinq vous êtes de Nazirim, moi aussi je suis nazir. Voilà, vous avez compris l'histoire? Et bien, figurez-vous que sur ça, il y a une marloquette très diversifiée. Avec Bet Shammai Omrim Kulam Nazirim, selon Bet Shammai, ils sont tous des Nazirim. Ou Bet Hillel Omrim, selon Bet Hillel, et non Nazir, et la Michello Nitkaimut Varav. Bet Hillel nous dit, ne sera Nazir que celui que ses paroles ne seront pas accomplies. Il y a deux avis comment interpréter, mais on va retenir l'avis le plus simple, qui nous dit que si celui que ses paroles ont été accomplies, il sera Nazir. Et Rabbi Tarfon Omer, En Echad Mehem Nazir, Rabbi Tarfon nous dit, aucun d'entre eux n'est nazir. On explique un petit peu, mais d'abord on va commencer avec Bet Hillel parce que c'est le plus facile à expliquer. Bet Hillel dit, écoute-moi, bon, t'as une situation complexe, mais comme tout problème de maths, calme-toi, prends un bon verre d'eau, réfléchis, et analyse ce qui s'est passé. On a le premier qui a dit, je suis nazir si c'est Réou, si c'est Yaakov, l'autre a dit, je suis nazir si c'est pas Yaakov, l'autre a dit, je suis nazir si un de vous deux est nazir, l'autre a dit, je suis nazir si un de vous deux n'est pas nazir. Pour le moment, on a une situation bien claire. Entre le 1 et le 2, on n'a qu'à vérifier est-ce que c'était Yaakov ou c'était pas Yaakov. Si c'était Yaakov, alors Reuven sera nazir et pas Shimon. Cela dit, le troisième, lui, il sera nazir parce qu'il a dit quoi qu'il arrive, c'est un de vous deux, il y en a un de deux qui est nazir, donc il sera nazir. Le quatrième, il sera nazir. Quand celui qui a dit chez Shnechem Nazirim, lui, il ne sera pas nazir parce que les deux, ils ne sont pas nazir, il n'y en a qu'un seul qui est nazir. Et l'autre a dit chez Kulchem Nazirim aussi, il ne sera pas nazir. D'accord. Donc en fait, ça va faire qu'on va avoir trois Nazirim dans l'histoire. Selon Bat Hillel, c'est très simple, tu prends la phrase calmement, tu l'analyses, tu vérifies qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été concrétisé, et tu vas selon ce qui a été dit. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, il faut dire selon Bet Hillel qu'il faut dire et non nazir la michenit kaimud varab. C'est la vie de Rabbi Yehuda dans la Gemara qu'il faut expliquer comme ça. Celui que ses paroles ont été accomplies, il sera nazir. Tout va très bien. Maintenant, on va passer le cap. Un petit peu plus, quelque chose qu'on connaît déjà depuis maintenant le début du chapitre. La vie de Bet Shammai, qui va nous dire « Kolam Nazirim, ils sont tous Nazirim ». Il faut bien comprendre, au moment où chacun prononce le vœu de Nazirut, ça s'appelle qu'il fait une Nazirut Betaout, autant que d'après Bet Shammai, celui qui est Makdish Betaout.
il a réellement l'intention de rendre Egdesh. Parce que sur ce coup-là, il veut rendre Egdesh, seulement il a mal évalué la situation. Là, concrètement, on parle qu'en fait, je vous ai un petit peu mal présenté l'histoire. C'est pas que chacun il a prononcé un vœu de Nézirut pour prouver à l'autre qu'il n'était pas nazir. Et réellement, il a rendu Nézirut. Il a dit, si c'est Reuven qui vient devant moi, je suis nazir. Ouais. Et réellement, au moment, donc maintenant, il a prononcé une Nézirut. Est-ce qu'il n'est pas clair, est-ce que c'est réellement, il est réellement nazir ou pas nazir? Il s'avère que finalement, ça a été faussé, c'était pas Reuven. On dit qu'au moment où il a prononcé le vœu de Nézirut, il avait une intention entière d'être nazir. Ça, c'est pour les deux premiers. Et pire que ça, même aussi celui, l'autre qui va dire maintenant, moi je suis nazir, si vous êtes tous les deux nazir, ou s'il y en a un de vous deux qui n'est pas nazir, même lui il sera aussi nazir. Parce qu'au moment où il prononce le vœu de Nézirut, il ne sait pas est-ce qu'il y en a un des deux qui est nazir ou qui n'est pas nazir, parce qu'on ne sait pas encore. Et en fait, Beth Shammai, il va selon. C'est un peu compliqué à expliquer, quoi, mais bon, il tombe un peu mal, comme ça sort. Selon Beth Shammai, il va nous dire, écoute-moi, au moment où tu prononces quelque chose d'indéfini, on va selon ton intention essentielle d'être nazir coûte que coûte. Et même si c'est pas exactement comme ça s'est finalement réalisé. D'accord? Ça, c'est la vie de Beth Shammai, c'est en rapport avec Beth Shammai qu'on avait depuis le début du chapitre. Au même titre que Ekdesh Betaout, c'est un Ekdesh. La même chose pour une Nézirut Betaout, c'est aussi une Nézirut. Et parce qu'en fait, au moment où tu prononces ces choses, tu les penses réellement. Et on a l'autre très extrême, cette fois-ci c'est Rabbi Tarfon, quelque chose de tout nouveau qu'on n'a jamais rencontré. Rabbi Tarfon de qui nous dit, En Echad Mem Nazir, aucun dans tout cela sera Nazir. Rabbi Tarfon, lui, il a une autre approche au sujet de la Nézirut, qu'il faut qu'il y ait une halakha, Ish ki yafli l'indor neder Nazir. Le mot qui yafli, quand il exprimera de manière claire. Exprimera de manière claire, ça signifie qu'au moment où tu prends la Nézirut, tu as ta tête sur les épaules et tu dis, je suis Nazir. Pas je suis Nazir si toutefois. Quand tu proposes un vœu de Nézirut, on ne peut pas devenir, on peut faire une Nézirut avec je suis Nazir si. Parce qu'au moment où tu prends un Nézirut, tu ne tranches pas les choses. Pour une Nézirut, c'est du mot qui afflit l'indor, comme il exprimera. Genre, je déclare que je suis un Nazir. Mais si je déclare que peut-être que, ben, si c'est peut-être que, c'est plus une déclaration, donc tu ne seras plus Nazir. Tu ne seras pas Nazir, d'accord? Et donc dans ce cas-là, le premier et le deuxième, il tombe, le troisième, quatrième, il n'y a plus, le cinquième, le sixième, plus personne ne devient nazir dans cette histoire, puisque les deux premiers ne sont certainement pas nazirs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv Sela.